Voyage au bout de la nuit serait-il donc aussi un roman révolutionnaire, de par les réalités qu'il dénonce? Le personnage principal du livre, Bardamu, s'insurge contre le monde tel qu'il est. Sa révolte saute au visage des critiques, du tout Paris littéraire et des intellectuels, en ce début des années 30 où chacun doit se positionner sur la scène politique. Louis-Ferdinand Céline n'est personne dans la scène de l'intelligentsia littéraire en 32. Personne. Il tombe du ciel. Il n'est pas classable très précisément, médecin de banlieue, voilà. Et donc il n'y a pas de préjugés idéologiques sur lui. Et Voyage au bout de la nuit est un livre qui apparaît plutôt avec une énergie de révolte plutôt assignable à quelque chose qu'on appellerait anarchisant. Voyage va être l'occasion d'une grande déflagration dans le monde des lettres. Mais aussi l'occasion d'un grand malentendu. C'est-à-dire que la gauche va penser que Céline est de ce côté-là, par son antimilitarisme, par sa dénonciation de la condition des pauvres, parce que quand même, parce qu'à travers son regard de médecin des pauvres, il faut savoir que Céline travaille en milieu de banlieue prolétarienne. Il travaille à Clichy, où il découvre une misère sociale, l'alcoolisme, la syphilis, le chômage. Donc la gauche dit « il est des nôtres ». C'est évidemment un livre qui va être revendiqué par la gauche, hein, même par les communistes. Les communistes se disent « mais voilà, voilà un auteur pour nous, voilà un auteur qui a des messages qui sont à peu près les nôtres ». Et qui pourrait bien un jour être le chantre du devenir le chantre du communisme. Il y a cette lacune soulignée par un certain nombre de lecteurs prestigieux qui ont adoré ce livre, Trotsky entre autres. Ce qui est tout de suite souligné, c'est oui, c'est un cri de révolte révolutionnaire, mais dans un ciel sans Dieu, sans espoir, sans révolution, c'est-à-dire il y manque une positivité d'adhésion à un idéalisme révolutionnaire, c'est-à-dire c'est un anarchisme désenchanté. Je vais me tuer, qu'il me prévenait quand sa peine lui semblait trop grande. Et puis il parvenait tout de même à la porter, sa peine, un peu plus loin, comme un poids bien trop lourd pour lui, infiniment inutile, peine sur une route où il ne trouvait personne à qui en parler, tellement qu'elle était énorme et multiple. Il n'aurait pas su l'expliquer. C'était une peine qui dépassait son instruction. Ce désespoir était authentique. Céline ne jouait pas avec ça. Il était totalement désespéré. Je pense qu'on ne comprend rien à Céline si on n'a pas notion de l'authenticité de ce désespoir métaphysique, irrévocable, et qui a miné sa vie. Et Voyage est le premier temps de l'exposé de ce désespoir. En janvier 1933, trois mois après la sortie de Voyage au bout de la nuit, Adolf Hitler, artiste manqué reconverti en hypnotiseur de foule, arrive au pouvoir de l'autre côté du Rhin. En France, le danger fasciste semble s'incarner dans les émeutes du 6 février 1934. En réponse, la gauche se mobilise. Les écrivains s'engagent. Aragon, Gide ou encore Malraux se font les porte-parole de la lutte antifasciste. La plume devient une arme au service de la Révolution. Céline, qu'est-ce qu'il fait à partir de 1933? Il y a quand même des événements considérables qui se passent en Europe. L'accession des nazis au pouvoir, la préparation du Front populaire. Enfin, déjà en 1934, le 6 février, puis le 12 février. Bon, il y a ces événements politiques considérables, ces affrontements sociaux très forts. Il y est pas. Les gens de gauche déplorent que Céline ne se manifeste pas plus franchement du côté communiste. Par exemple, Aragon ne cesse de pousser Céline à se déclarer, c'est-à-dire à s'inscrire, ou en tout cas à se mettre compagnon de route du Parti communiste. Et progressivement, on voit Aragon être de plus en plus rétif et critique par rapport à Céline. Parmi les arguments qu'opposait Céline à la gauche, il y avait celui de la référence au peuple. Le peuple qui est quand même une constante
de toute pensée politique, c'est-à-dire on se réfère au peuple, on appelle la voix du peuple, on tient compte des besoins du peuple, etc. Et ce peuple-là, Céline, qui le connaissait par le biais de la médecine et par le biais de la misère humaine, disait « il n'existe pas ». C'est une représentation totalement idéale. Moi, je n'y crois pas. Le malheur en tout ceci, c'est qu'il n'y a pas de peuple, au sens touchant, vous l'entendez. Il n'y a que des exploiteurs et des exploités. Et chaque exploité ne demande qu'à devenir exploiteur. Il ne comprend pas autre chose. Le prolétariat héroïque, égalitaire, n'existe pas. C'est un songe creux, une faribole. D'où l'inutilité, la niaiserie absolue, écœurante de toutes ces imageries imbéciles. Le prolétaire en code bleu, le héros de demain et le méchant capitaliste repu à chaîne d'or, ils sont aussi fumiers l'un que l'autre. Le prolétaire est un bourgeois qui n'a pas réussi. Rien de plus, rien de moins.